tu vas bien? Je ne sais pas si je devrais le faire, maman. Et si les gens se moquent de moi, comment? Arrête. Tu as toujours eu envie de faire du yoga et tu es enfin là. C'est pas le moment d'hésiter. Tu as raison. Merci. Je te vois dans 45 minutes. Tu peux le faire. Oh, mais fais gaffe! Je suis vraiment désolée. Tu fais quoi avec mon tapis de yoga? Oh, je ne savais pas que c'était le tien. Désolée. C'est mon premier jour. Je m'appelle Jasmine. Ravie de te rendre... Attends, ne me dis pas que t'es ici pour mon cours. Si, c'est le cas. Tu rigoles, c'est ça? Je veux dire, on n'a jamais eu quelqu'un de ta taille avant. Oh. Bon, il faut bien une première fois pour toute chose, non? Je veux être prof de yoga un jour. Toi? Vraiment? Tu veux être prof de yoga? Je pense que tu devrais d'abord perdre quelques kilos. Mais bon, qu'est-ce que j'en sais? Je suis que prof du studio de yoga le plus populaire de la ville. Bienvenue, les yogis. Je suis Emma, votre instructrice. Je vois de nouveaux visages et de nouvelles tailles ici. Commençons avec notre salutation au soleil. Levez-vous sur votre tapis. Inspirez, bras vers le haut. Expirez. Plongeons du cygne vers le chien, tête en bas. On va tenir cette position quelques secondes. Respirez. Oh, oups, désolée, c'était plus dur que ça en avait l'air. Eh bien, vu ton poids, je suis sûre que c'est difficile. Très bien, maintenez. Expirez. Maintenant, vous pouvez doucement transitionner. J'arrive pas à tenir. Tu sais quoi, si tu peux même pas tenir 30 secondes, tu devrais pas être dans ce cours. Je suis désolée. J'essaierai de faire mieux. Est-ce que tu peux au moins aller à l'arrière? À cause de toi, je ne peux voir personne. Tu m'obstrues la vue. D'accord. Prenez une inspiration profonde et passez en posture ferme vers l'avant. Expirez et relevez-vous. Namasté. 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 Ok, c'était une super séance. À la semaine prochaine. Hé, toi! Attends un instant, tu veux bien? D'accord. Mais est-ce que tout va bien? J'imagine qu'après aujourd'hui, tu ne vas pas revenir. Eh bien, je sais que j'essaye encore de m'y faire, mais je dois persévérer. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Mes cours sont généralement pleins, et pour être franche, t'es un peu, ou je devrais dire, une très grosse distraction. Eh bien, et si je m'entraîne à la maison? Comme ça, je serai meilleure d'ici. Écoute, je sais pas comment être plus claire. Pour faire du yoga, il faut avoir une certaine morphologie que toi, tu n'as pas, visiblement. Essaye de perdre 20 ou 40 kilos d'abord, puis reviens. D'accord? Mais j'essaye de devenir une prof de yoga. C'est pour ça que je suis là. Ouais, t'es sérieuse? C'est mignon comme rêve, mais les grosses ne peuvent pas faire de yoga. Tu dois être mince. Écoute, une prof de yoga, ça ressemble à ça. Pas comme toi. Allez, ne perds pas ton temps. Mais je... J'ai un autre cours qui va commencer, alors tu ferais mieux de t'en aller. Je suis désolée.